Voilà, nous sommes de retour. Vous n'êtes pas sans savoir que le cardinal Marc Ouellet a fait un passage très remarqué hier à la commission Bouchard-Taylor sur les pratiques d'accommodement. L'archevêque de Québec a d'abord dénoncé ce qu'il appelle un intégrisme laïque, qui chercherait à évacuer les repères catholiques du Québec. Il a estimé aussi que la société québécoise se porterait mieux si elle revenait à ses valeurs religieuses. Il a dit souhaiter aussi le retour de l'enseignement de la religion catholique dans les écoles. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite d'abord à écouter un peu ce que le cardinal Ouellet m'a dit hier lors d'une entrevue juste avant le Forum des citoyens. Il était avec nous. Voici ce qu'il avait à dire. Quand on perd le contact avec ses racines, je crois qu'on perd l'élan aussi pour l'avenir. Le fait que les Québécois et les Québécoises aient fort peu d'enfants indique aussi qu'il y a comme un goût de vivre qui manque. Il y a des raisons de vivre qui manquent. Et la dimension religieuse et la dimension catholique en particulier soutient la famille, soutient le mariage, soutient au fond la générosité dans le don de la vie. Je crois que toutes ces valeurs-là sont liées au catholicisme et nous avons besoin de retrouver nos symboles. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous pose la question ce soir. Le Québec devrait-il faire un retour au catholicisme, retrouver ses symboles? Appelez-moi 790-0060 Montréal, extérieur sans frais 1-866-790-0060. Vous pouvez aussi communiquer par courriel radiocanada.ca/Dominique Poirier. Et mes invités ce soir pour débattre de cette question. D'abord, le porte-parole du mouvement laïque, M. Daniel Barry, qui est avec nous. Bonsoir, M. Barry. Bonsoir, et le curé de la paroisse Sainte-Marie-du-Lac, Donald Tremblay. M. l'abbé, bonsoir. Mais merci aussi d'être avec nous. C'est une grande question. C'est un grand débat aussi qu'a relancé le cardinal Ouellet hier. Je vous demanderai d'abord ce que vous en pensez, cardinal, qui disait aussi que le Québec est prêt et mûr à une nouvelle évangélisation. Vous en pensez quoi, M. curé? Premièrement, je vous dirais que j'ai été très fier d'entendre le cardinal, parce qu'il y avait, dans son discours devant la commission Bouchard-Taylor, un certain courage de dire une vérité qui n'est pas annoncée facilement sur les quatre pignons. Or, d'une façon très simple, d'une façon très respectueuse aussi, le cardinal a dit que nous devons, comme société, continuer à être accueillants, d'accueillir ces immigrants, d'être capables de tirer profit de ce qu'ils peuvent nous apporter. Puis tout cela trouve ses racines dans ce message chrétien qui a été partie prenante de la société québécoise depuis 400 ans. Alors, j'ai trouvé ça très beau de la façon qu'il a présenté, la justesse du message, l'équilibre qu'il avait dans ses propos et la grande ouverture de rappeler aux Québécois qu'ils ont un passé, qu'ils peuvent être fiers et de le redécouvrir dans un avenir qui pourra leur porter justement des bienfaits. C'est quelque chose de extraordinaire. Mais le fait aussi que les Québécois aient abandonné la religion catholique fait en sorte qu'on a une société aujourd'hui, et le cardinal Ouellet le disait notamment, bon, qui ne fait plus d'enfants, il n'y a plus de famille, bon, l'avortement, les taux de suicide, le système de santé, vous êtes d'accord aussi avec ça? Je vous dis certainement qu'il y a une société dans laquelle on vit où des repères religieux ont été perdus, où il y a une certaine génération qui s'est délaissée. Moi, je suis un curé dans une paroisse très jeune, puis je peux vous dire que chez les jeunes familles, il y a une grande ouverture à retrouver des valeurs qui sont vraies. Mmh. Alors, c'est quoi les grandes valeurs du christianisme? C'est l'amour, c'est le respect des autres, c'est l'entraide, c'est le partage, c'est le pardon. Alors, je pense que dans tous les âges, ce message-là va résonner dans le cœur d'hommes et de femmes. C'est à ce niveau-là, quand le cardinal, oui, dit que le Québec est prêt pour une nouvelle évangélisation, je pense que oui, effectivement. Face à ce vide spirituel, il y a quelque chose au niveau du vécu, de notre intériorité, que la population va être ouverte à accueillir. Je suis entièrement d'accord Monsieur avec lui. En fait, le discours du cardinal Ouellet d'hier, à mon sens, à moi en tout cas, j'y trouve une grande condescendance, même incommensurable, je dirais, de dire que le Québec a besoin tout à coup d'une évangélisation, sinon ce midi, il en rajoutait encore là, sur vos ondes en disant que ce qu'il voyait à l'avenir du Québec, c'était des cimetières et une société qui s'écroule comme le pont de la Concorde. Mmh. Alors, si faites les valeurs dont on vient de parler, M. Tremblay, sont des valeurs humanistes. Ce n'est pas l'évangélisation qui est nécessairement garante de ces valeurs-là. Je pense que tout le monde va partager ses idéaux, peu importe la religion qu'on possède ou qu'on ne possède pas. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je pense que tout le monde va être d'accord pour qu'il y ait du partage dans la société, qu'on soit altruiste, solidaire, etc. Et qu'on ait un souci de respect de la différence, l'égalité entre les personnes, entre les sexes. Tout ça fait partie, justement, des acquis de la modernité au Québec.
Alors, je ne sais pas pourquoi on vient nous parler d'une évangélisation ou même dans votre question, un retour du catholicisme. Si c'est un retour du cléricalisme, c'est certain que il n'y aura sûrement pas grand monde au Québec qui va être d'accord avec ça. De protéger les religions, oui, et personne n'a jamais forcé quiconque à abandonner le catholicisme. Alors, c'est pas une perte de repère qui s'est produite, c'est que les gens ont abandonné ces repères. Et la question à poser, c'est pourquoi? Alors, c'est de la pensée magique que de s'imaginer que tout à coup, en reprenant la parole, là, les gens vont retourner dans les églises. Ils l'ont abandonné parce qu'il y a eu une perte de signification de ces repères. Et donc, ce que j'aurais dit, c'est que la pensée magique de penser qu'on va rétablir ce qu'a été la société il y a 40, 50 ans, c'est un discours très passéiste. Je pense pas que c'est le discours du cardinal Ouellet. Le cardinal Ouellet ne parle pas de retourner en arrière. Le cardinal Ouellet parle d'incarner dans une société moderne ces valeurs du christianisme qui ont été la base de notre société depuis 400 ans. Monsieur Tremblay, si vous voulez bien, on va bien sûr poursuivre la discussion. Je voudrais aller au téléphone voir ce que les gens qui nous écoutent en pensent. Madame Christiane Roy de Laval. On vous écoute, Madame Roy. Oui, je suis d'accord avec le jeune curé Tremblay. Oui. Qu'on devrait s'afficher en tant que... On parle souvent du voile musulman, des musulmans. Ils ne se gênent pas pour s'afficher. Nous, on recule. Ah, c'est sûr que je pense que le cardinal a fait une intervention pour aider notre société, aussi les catholiques, à pouvoir réfléchir sur toute cette question des accommodements raisonnables. Et puis, naturellement, notre foi nous enseigne à être très respectueux et accueillant des autres qui sont différents de nous. Je pense que ça a été la tenue du discours du cardinal. C'est pour ça que je disais que j'étais très fier de qu'est-ce qu'il avait tenu comme propos. Ouais. Oui, le fait que les catholiques veulent s'afficher, hein, j'ai aucun problème avec ça, et personne va les en empêcher. La question n'est pas là. La question qui est en débat actuellement, c'est sur la laïcité des institutions publiques. Et le message de Marc Ouellet, c'était de présenter la laïcité comme un intégrisme et comme la cause de tous les maux de la société. Croyez-vous vraiment? C'était son discours. Lorsqu'il parle de l'héritage du crucifix à l'Assemblée nationale, qui rappelle ce que nous avons été comme peuple, que bâtit cette société. À même échéance qu'on va trouver dans l'Assemblée nationale des fleurs de lys. Ça vaut aucune commune mesure, monsieur Tremblay. Il ne faut pas démesurer son discours non plus. Je pense que le cardinal est un homme très respectueux, qu'il y a des principes qui l'animent, des principes d'amour et de partage et de bâtir une société qui est juste. C'est le message qu'il a voulu passer. Il n'y a pas de retour en arrière. Non, écoutez, il a parlé de l'intégrisme laïque et c'est contre ça qu'il en avait principalement. Et quand il parle de laïcité comme intégrisme, il y en a contre tous ceux qui, depuis deux mois, ont pris la parole de façon majoritaire devant la commission Bouchard-Taylor pour défendre le principe de laïcité. Et c'est contre cette majorité d'intervenants qu'il en avait. C'est aussi l'Assemblée nationale, ça fait pas partie du patrimoine. Ça a été ajouté en 1946 par Duplessis. Ça a été un problème au niveau des religions, c'est un problème au niveau d'un mouvement laïque intégriste. Alors c'est sûr que les extrémistes au sein de sociétés font du tort. C'est qu'est-ce que le cardinal a dénoncé? Quelqu'un qui est respectueux d'autres personnes... Mais est-ce qu'on peut qualifier l'étonnant de la laïcité d'extrémiste? Ben, il y a différentes sortes de laïcité. Il y a une laïcité qu'on a adoptée ici au Québec, qui est une laïcité française, mais le modèle de laïcité qu'on retrouve en Italie est tout autre, celui aux États-Unis est tout autre. Alors pourquoi ici on doit se boquer sur ce modèle de laïcité anticléricale développé au 19e siècle? Hein, il y a d'autres formes de laïcité, puis c'est ce que le cardinal veut dire. Il y a une minorité extrémiste qui a pris le discours, puis on dit « oui, c'est ça le chemin ». Qu'on doit suivre. Parce que la plupart des Québécois sont Moi, je ne vois pas d'extrémisme dans ceux qui se sont exprimés sur la question de la laïcité de l'État. Enfin, la laïcité, le minimum dont il faut s'attendre, c'est la neutralité de l'État face à la religion. Donc, pas de représentation religieuse dans les espaces publics. Espaces publics entendant par institutions publiques. Au premier chef, l'Assemblée nationale, c'est l'enceinte du débat ou débat de la nation. Là. Je voudrais que la laïcité, ce n'est pas la représentation religieuse par l'État, je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi l'État qui va respecter
oui. le fait religieux. Exactement. Et la manifestation de ce fait religieux se fait dans un espace public, c'est incontournable. Voulez-vous qu'on aille ou plus haut que la croix sur le Mont-Royal? Voulez-vous qu'on Personne n'a jamais demandé ça. Non, mais c'est un espace public. Vous parlez d'un espace public. J'ai précisé l'espace public entendu au sens d'institution publique. La croix du Mont-Royal, c'est la Société Saint-Jean-Baptiste qui l'a construite au début du 19e. Au début 20e, pardon. C'est un espace public. Il en a fait don à la ville parce qu'il ne pouvait plus l'entretenir. La ville devrait en faire don au diocèse. Alors, l'espace public, c'est l'institution. L'Assemblée nationale, ce n'est pas justement un lieu visible du public. C'est là que débat les représentants de la nation. C'est aussi l'histoire de ce que nous sommes comme peuple, d'où nous sommes et d'où nous allons aller. 1936, le crucifix, monsieur. Alors, comme je dis, la laïcité, telle que moi je la conçois, c'est l'État qui n'impose pas une religion, mais qui permet à ses citoyens de pratiquer leur religion. Peut déborder dans l'espace public. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous voyez que le débat est lancé. Je sais que vous êtes nombreux aussi à vouloir parler, mesdames et messieurs. On fait une pause. Je reviens tout de suite après avec vos appels. Restez là. Le Québec devrait-il faire un retour au catholicisme? C'est notre question ce soir. Et je vais au téléphone de M. Laurent Vachon de Montréal. On vous écoute, M. Vachon. Oui, bonjour. J'aimerais dire que, premièrement, quand ça concerne les religions ou n'importe quel autre type d'influence qu'on a dans la société, on a tendance à être un peu catégorique et limité, en mon opinion. On se dit soit on est catholique ou on est laïque, soit on est influencé par le clergé religieux ou on aurait l'impression qu'on est influencé par personne. Mais je trouve que ce soit la religion catholique, n'importe quel autre type d'influence, on est toujours influencé à quelque part, que ce soit par des symboles ou des dogmes ou quoi que ce soit. C'est quoi dire de ce que moi je percevrais autant comme des religions, des idéologies économiques, politiques, que ce soit... si on n'a pas le droit de porter une croix dans un lieu public, est-ce qu'on aurait le droit de porter le marteau et la faux, le symbole communiste? D'après moi, c'est tout aussi dogmatique et religieux comme concept. Ça a ses dogmes, ça a ses rituels, ça a sa manière de penser, ça a ses règlements en termes de comment on peut agir et ne pas agir. Fait que... Moi, l'idée de dire qu'on enlève les religions, puis pas considérer qu'il y a toute autre sorte d'influence qui aurait leur place, prendrait le vide et qui était comblé que par les religions. Donc, c'est limité comme pensée. Mais je tiens juste à dire aussi que moi, je suis pas religieux du tout. Fait que je dis pas ça pour défendre ma religion ou les religions. Mm-hmm. Très bien. Merci beaucoup, M. Vachon. Merci à vous. Un autre appel, Mme Charlotte Trépanier de Montréal également. Mme Trépanier, vous êtes là? Oui, je suis. On vous écoute. Oui, après avoir écouté M. Guy Bertrand, maintenant qu'on prenne au sérieux Mgr Ouellet, eh bien, on est aussi bien de dire qu'on va retourner dans la grande noirceur. Vous avez bien choisi votre jour, le soir de l'Halloween, pour nous faire peur. Oui. Tant que l'Église ne sera pas prête à reconnaître une des premières valeurs que les Québécois réclament, soit l'égalité entre les hommes et les femmes, eh bien, moi, je préfère m'en tenir à l'amour de mon prochain, tout simplement. Que M. Ouellet vienne nous parler de rôle propre à chacun pour excuser leur discrimination, eh bien, je pense qu'il n'a pas du tout l'intention de moderniser son Église, quoi qu'il en dise. Merci beaucoup, Mme Trépanier. Merci à vous. Oui, vous réagissez comment, M. le curé? Mme Trépanier exprime un sentiment qu'elle a. Je pense pas qu'on vit dans cette grande noirceur à laquelle elle fait référence. Oui, mais la question qui l'interpelle beaucoup, c'est l'égalité homme-femme. Bien sûr, l'Église catholique n'a pas beaucoup évolué sur cette question-là. Je travaille en paroisse, je travaille avec des femmes qui sont en position d'autorité avec moi, qui ont des fonctions en tant qu'agente de pastorale. Alors, c'est une vue qui date des années 50, qu'elle propage, qui n'est plus vraie au sein de l'Église catholique. Ça, c'est un acquis, finalement, l'égalité homme-femme, là, de la modernité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans nos chartes. Ce sont des acquis qui sont porteurs de valeurs rassemblantes. L'intervenant précédent, par contre, avant la dernière dame, une certaine confusion. Personne ne parle d'abolir les signes religieux.
visible du public. Là, il peut porter une croix. Là. Monsieur Tremblay, il porte son col orné. Personne n'a jamais rien dit de cela. Le foulard islamique, oui. Une jeune étudiante, par exemple, à l'université, oui. Est-ce qu'elle peut porter son foulard? Présentement, oui. Oui, mais dans le modèle de laïcité que vous... Nous, ce qu'on demande, c'est l'institution qui est laïque. Ce n'est pas l'individu qui la fréquente. Donc, le personnel... Mais par contre, dans le personnel, c'est autre chose. Le personnel représente l'institution. L'exemple que donnait le monsieur tout à l'heure avec la faucille et le marteau, c'est un bon exemple. Est-ce qu'on permettrait à des enseignants, par exemple, ou à des fonctionnaires qui sont en lien avec le public, de porter leur insigne d'allégeance politique pendant leur travail? On ne le permettrait pas. On ne le permettrait pas aux policiers. Alors, on nous demande souvent la même chose. C'est la même chose pour les signes religieux. L'individu qui est engagé pour représenter une fonction de l'État n'a pas à afficher sa conviction religieuse devant le public qu'il doit desservir. Et ça vaut pour les enseignants de tous les niveaux du système d'éducation. Je vais aller au téléphone avant de vous faire réagir. Monsieur Alain Rioux de Laval. On vous écoute, Monsieur Rioux. Oui, bonjour, Madame Poirier. Oui, écoutez, pour répondre à votre question, est-ce que le Québec devrait retourner au catholicisme? Évidemment, ma réponse, moi, c'est sûrement pas, jamais de la vie. Écoutez, déjà, vous avez une religion dont le chef se dit infaillible, dont le chef est un monarque absolu dans l'État du Vatican. Alors évidemment, je veux dire, on n'a pas à prendre modèle jamais sur, je veux dire, une tradition aussi passéiste, surtout rendue dans notre modernité. Alors évidemment, je veux dire, vous comprendrez très bien que je suis du côté de la laïcité comme un intervenant qui défend la laïcité évidemment des institutions, toutes les institutions qui sont publiques, qui appartiennent à l'État, que ce soit de l'Assemblée nationale jusque au dernier des postiers, doit, je veux dire, respecter cette neutralité-là. Et bon, évidemment, si les gens veulent revenir individuellement, socialement à la religion, à quelques religions qu'ils veulent, au christianisme même, tant mieux, mais de revenir, de faire réintégrer, si je comprends bien votre question, de réintégrer le catholicisme dans nos institutions, le catholicisme romain, je précise, où, je veux dire, dont le chef se dit infaillible, imaginez-vous, là, infaillible. Alors, il y a même des théologiens en 70, en 80, qui ont remis en question cette infaillibilité-là, des théologiens catholiques qui se sont fait excommunier. Donc, ce n'est pas vrai qu'on dit que, lorsqu'on dit que l'Église catholique a évolué, elle n'évoluera jamais sur ce dogme-là. Et ça, jamais, c'est inadmissible que jamais cela ne revienne dans nos institutions d'État. Un point, c'est tout. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Rioux. Mais il y a quand même une question intéressante face à la laïcité, les symboles. C'est que ce qu'on entend aussi dans les forums de la part de Québécois de souche, de catholiques, c'est de dire oui pour une laïcité, mais touchez pas à nos symboles. Ça, c'est quand même assez étonnant, quand même, parce qu'on voudrait bien ne plus voir de foulard, mais on veut garder le crucifix à l'Assemblée nationale. Il y a une profonde contradiction. C'est un peu étonnant. C'est parce que les gens n'ont pas fait le chemin, toute la réflexion nécessaire. Et il faut dire que c'est un avis qui est partagé par plusieurs commentateurs dans les médias. La laïcité, c'est pour les autres, mais ne touchez pas à mes signes religieux. Alors nous, quand on parle de laïcité... L'inverse de la médaille, c'est que le peuple québécois, à un certain niveau, est encore très attaché à son passé religieux. Et puis, il y a ce désir, cet sentiment d'aller plus loin dans sa quête, de le comprendre. Ce monsieur qui appelle, qui parle de l'infaillibilité papale, vous savez que le pape a parlé deux fois dans l'histoire de façon infaillible. Ça que c'est mal comprendre qu'est-ce que c'est que ce dogme de l'Église. Puis qu'est-ce que le cardinal Ouellet propose? C'est pas un retour à une espèce d'État catholique. Il propose que le peuple québécois, catholique déjà, puisse retrouver des valeurs qui sont liées avec son cheminement spirituel en tant qu'être humain. Alors, c'est ça qui est extraordinaire. C'est une proposition d'ouvrir son cœur, à accueillir un message d'amour pour grandir en tant que personne collectivement en tant que société. Ouais. Parce que qu'est-ce que le cardinal dit? Lorsqu'on vit de ces valeurs, de respect, d'amour, de partage, d'entraide, on enrichit notre société collectivement. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, mais personne n'empêche ce discours-là. Alors, pourquoi cette intervention du cardinal? C'est parce qu'il y a là une visée impérialiste. C'est que pour le cardinal, ses repères, ils sont catholiques. Et il s'aperçoit qu'il y a des Québécois francophones qui ont d'autres types de repères, et puis là, ils semblent déstabilisés. Ils voudraient que tout le monde ait ce type de repères. Eh bien, c'est plus ça. Le deuxième groupe numérique en importance au Québec, c'est les sans-religions, 470 000. C'est que plus important que les protestants, que les juifs et les musulmans. Le cardinal n'impose rien. Je pense qu'on a une lecture différente de son discours d'hier. Qui était d'ailleurs à titre personnel en passant, et ce qu'on voit dans les journaux d'aujourd'hui, son texte, c'est
Oui, on va faire une pause encore une fois, mais juste avant la pause, je prendrai un autre appel, mais rapidement, malheureusement. Monsieur Serge Vincent de Saint-Hyacinthe, on vous écoute, monsieur Vincent. Oui, bonjour, madame. Écoutez, j'entends des propos tellement bizarres, impérialisme religieux, dogme et tout ça, on est en 2007. On dirait qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le message du cardinal. Il dit tout simplement de revenir à des valeurs qui sont normales et profondes. Vous parlez des repères, mon cher monsieur, que les gens sont tournés vers d'autres pères. Bien, les autres pères, actuellement, ce qu'on constate, c'est du suicide, c'est du décrochage, c'est de la drogue. Il y a un vide spirituel au Québec. Il y a une crise identitaire. Il y a des émergences de sectes. Je ne sais pas, je ne mets pas ça la faute sur la laïcité, là, mais il y a un gros, gros problème au Québec. Ce que le cardinal a voulu tout simplement dire, il y a des principes de base de vie moraux qui devraient revenir à la normale. Et c'est un message, c'est un message qui vous a rejoint, bien sûr, M. Vincent. Je suis désolée, je dois vous interrompre. On fera une pause et on revient tout de suite après avec la suite. Merci à vous. Alors voilà, on est de retour. Conclusion, est-ce que d'abord laïcité et retour aux valeurs religieuses, c'est vraiment incompatible, c'est-à-dire laïcité dans l'espace public et puis les valeurs religieuses? Les deux sont compatibles. On vit dans une société qui a évolué ou est-ce que naturellement un changement assez important qui s'est fait durant les dernières 40 années. Mais il y a un espace au Québec pour que la laïcité puisse avoir sa place, et c'est important qu'elle ait sa place, mais aussi respectueuse du domaine religieux. Et à ce niveau-là, quand vous posez la question, oui, le Québec a beaucoup à gagner, à retrouver des valeurs que le christianisme propose. C'est effectivement pas incompatible. Tout citoyen, toute personne peut référer aux valeurs qu'il veut dans son univers de repères religieux. Et c'est ça la beauté de la laïcité. Donc, il n'y a pas de religion d'imposer ni de valeur confessionnelle d'imposer à personne. Et quant à la perte de repères religieux qui conduirait au désastre social, au suicide, au divorce, aux familles désunies, tous ces mots-là étaient dans notre société et dans toutes les sociétés dans les années 40 et 50, c'était là. Prenez la société américaine, les repères religieux sont très forts et c'est une des sociétés les plus violentes au monde. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Et avant de vous quitter, bien sûr, vos réactions par courriel. Vous avez été nombreux aussi à nous écrire et à réagir. Alors, en voici quelques-uns. Monsieur Daniel Cadieux de Montréal qui écrit: le cardinal Ouellet détourne le débat pour promouvoir son propre agenda. Il est intellectuellement facile d'affirmer que tous les maux actuels de la société sont attribuables au recul de la religion catholique. Et Olivier Legault de Saint-Hubert nous dit « Oui, je crois que nous devrions retourner à la religion catholique, du moins recommencer à l'enseigner dans nos écoles. Je crois que cette religion enseigne de belles valeurs et qu'elle serait, en plus du français, quelque chose à quoi les Québécois pourraient s'accrocher en cette période de remise en question et de troubles. » Voilà donc vos opinions. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écrit, de nous avoir appelé. Merci aussi à mes invités encore une fois. Demain, Forum de citoyens sur les accommodements raisonnables, encore une fois, de Saint-Georges-de-Beauce, qu'on vous présente en direct à 19h. À demain.